Allez, voilà, on va partir du parking pour aller sur la rune. On a enfin récupéré Christine, qui a dû se tromper d'endroit parce qu'elle est super équipée. Voilà, Christine est là. On arrive sur Christine, qui est super équipée. Ah, voilà, tu ne les perdras pas, effectivement. Allez, le départ est là, on va pas tarder. On découvre ici quelques temps. Le vent nous portera. Allez, on a commencé, voilà l'équipe du jour, qui s'est sobrement appelée la team Sangria. Il y a Théo, il y a Didier, là-bas il y a Patricia, et alors au loin là-bas, il y a Christine. Voilà, c'est Christine. Mise en scène, Xavier Périgord. Voilà. C'est la mitraille, cette plaie qui nous tiraille. Le palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère. Des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Voilà. La pluie s'est invitée sur le parcours. On voit plus la petite rune. On voit plus la rune non plus. Alors, est-ce que ça va durer? Il y a un peu de soleil sur Saint-Jean-de-Luz. Tiens, c'est Christine qui a posé ses gants. Patricia. C'est à peu près un bon quart d'heure dans les nuages. Mais bon, on voit toujours pas la rune, c'est ici. La petite rune, on la voit pas. Vivement ce soir, on va prendre des pinchos. Au moins, on sera au chaud, on sera à l'abri, et on va manger des bons pinchos. Les deux gars sont partis en courant, ils devraient peut-être peut-être ils sont même arrivés. Voilà, donc on est vraiment au pied des difficultés. Alors, il est ici trois quarts d'heure, si tout va bien derrière. Jusqu'à présent, c'était facile. On est à 300 mètres du sommet. La team Sangria est un petit peu étirée. On voit quand même Christine qui arrive là. Christine est plus loin. On est toujours dans le brouillard. Et on est à 300 mètres du sommet. On annonce des pentes à 40%. Allez, 10 mètres, 20 mètres, et on y sera. Mais c'est pas les nôtres. Thank you.
Barbie. Descends un peu là. Non, 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 tout droit vers moi. Hein. Il faudrait que tu descendes un tout petit peu parce que tu es dans l'herbe là. Sommet. Alors, petit coucou à la météo quand même, hein, qui nous annonçait un temps partiellement ensoleillé. Bon, la journée n'est pas finie, mais quand même, on est belle. Bon, les filles sont là-dedans. C'est parti après la pause repas. Et en fait, ça y est, ça s'est levé. On a perdu deux personnes quand même dans le. Je sais pas, elles sont descendues en petit train. Allez.